Bonjour tout le monde, ici c'est Wagraf et on va continuer notre marathon Final Fantasy avec Final Fantasy VI. Donc, comme j'avais dit la dernière fois, on va continuer à partir de suite. J'ai fait mes 10 combats contre les Cactuars pour pouvoir les ramasser, comment pour pouvoir préparer le combat contre le Gigantuar. Et j'ai aussi éliminé. Salut Link. J'ai aussi éliminé. Comment ça s'appelle Dead Gaze. En me battant dans les airs, il m'a donné Bahamut, qui donne At Level Up plus 50% de HP. Ça veut dire que si je voudrais booster les HP de mes personnages, je pourrais le faire rapidement avec ça. Fait que là, on va se battre contre le Giant Cactuar, ben, ou le Gigantuar, on pourrait dire. Et après ça, on va se lancer pour la Tower du Culte de Kefka. On va voir comment de temps que ça va prendre. Si ça va bien, on va peut-être se lancer directement dans le endgame. Vous voyez qu'il manque encore deux... 3 Esper en fait. Un que je viens de, que je vais pogner sûrement comme immédiatement. Puis les deux autres que je suppose. Un que je peux pogner dans Tower of Kefka. Puis l'autre que c'est du post-game content. Genre c'est comme un donjon spécial. Fait qu'on va se lancer direct là-dedans. Le combo est prêt. C'est une tuile directement dans le désert. Bon, bien sûr. Ça nous donne la misère avant de rentrer. Mais ils vont se faire démolir par Sabin qui lui rentre dans tout puis pète tout avec ses clubs puis son Master Scroll, son Gage Glove. Ça va bien, Link, en passant. 3 AP, super. On va juste récupérer mes HP. Et voilà. Et c'est de suite. Là, on se bat contre le Jacob Duar. Là, ça va être une guerre d'attrition. Surtout qu'il peut faire... knockdown qui fait comme 5000 points de dégâts. Franchement, j'ai pas de protect gun. Il va s'amuser quand même à nous faire ça tout de suite. Ah, nice! T'as-tu su c'était quoi la date de sortie, le 18 novembre? Ou 18 ou 8 novembre? Pour King Floor 2? On s'en va à route. Ok. Ah, peut-être que c'est tout le monde, ok. Ou c'est deux-là, au moins, c'est eux autres qui risquent de manger les dégâts. Ah, pas pire, là, au moins, il survit. Kuraga. Ça paraît quand on a des personnages qui ont beaucoup de magic. Alors, les liens sont pas mal forts. Ouais, il a la classe du dragon, c'est ça? J'ai hâte de le voir. Tempest. Ouh, 5500, 5100, 5300, 5500. Je pense qu'il est mort. Là, tout ce qu'il fait, c'est genre... Ah, il est mort. C'est juste d'attendre puis qu'il finisse de faire ses 1000 needles. Il fait 10 fois. Et oui. Ah ouais? Ah, c'est bien triste, ça. J'espère avoir une autre classe de mêlée. Et oui. Tenu... 1111 kills. Hey, une Magicite! On a pogné la Magicite du Cactuar. Magicite du Cactuar! C'est tel que tel, sauf pour le plus dessus 2 de speed que ça donne. Fait que téléporte Vanish PS Tega. Mets-tu sur Sabin pour qu'il pogne plus de vitesse? Parce que tu sais, un monk qui fasse fort et plusieurs fois, c'est belle fun! Mais un monk qui fasse fort plusieurs fois puis qui est rapide en plus, c'est encore mieux. Ça va être quoi l'autre classe qu'ils vont mettre à la place du Martial Artiste? Astragoth, tu vas faire un petit Arise. Je t'avais d'apprendre Re-Raise aussi. On va aller voir, hein.
Thérèse, 93%. Le survivaliste. Oh my god. Ils ont pris le titre de mes anciens shows. Ça va être quoi? Ça va être genre comme Nathan Drake ou plutôt comme The Last of Us. Genre, tu te promènes dans l'environnement, tu remontes des affaires puis tu fais tout sauter. Ce serait drôle. Ce serait drôle si tu pourrais amorcer des affaires de l'environnement puis comme crafter un gun ou une arme genre patentée. Genre que tu pognes les armes de mêlée puis genre tu fous des batteries dessus un peu comme dans Dead Island. Dead Island puis Dying Light. Ok, fait que speed plus 2. Là, le cactuar, on va aller à la tour du cul de Kefka, mais avant, je vais aller à la Nin. Parce que je peux. Récupérer. 200 pièces, mais oui. Là, si je pensais que l'NPC dans l'autre salle, genre, t'es en train de capoter, puis ça revenait vers nous autres, genre, on va dire, voyons, qu'est-ce que tu fais là? Ok! Allez, retourner à la tour du cul de Kefka. Puis cette fois-là, ça devrait se passer un petit peu différemment, étant donné qu'on a du monde capable de faire de quoi. Parce qu'ils ont quand même un item très intéressant à cette place-là. Puis je veux l'avoir. Première chose qu'on va faire, on va pogner Strago. Puis tu vas caster. Ah, il n'y a pas Float. Elle est là, fait que. Oups. Float. Il me semble que je suis pas fou. Il me semble que j'avais un item qui permettait d'être sur Berserk. Mais de toute façon, comme c'est là, je vais pas me débarrasser du Master Scroll. Là. Je m'assure que tout est optimisé. Classe Brit, tu veux utiliser jouer un RPG avec des grenades du Medic et prendre le survivaliste. Ok, fait que tu dois pour mixer les habités des perks. Ah, c'est intéressant ça. Ah, ça va être vraiment intéressant ça. J'imagine que ça va faire que, dépendamment d'où ce que t'es rendu dans les autres jobs ou les autres classes de Killing Floor 2. Ça va être bon pour tout simplement, disons, prendre ce que t'as déjà d'après avec les autres perks puis les intégrer dedans. Genre, en plus des armes, ça fait le même. Ou à moins qu'il ait ses propres skills puis qu'il peut juste utiliser n'importe quelle arme puis n'importe quelle grenade. Ok. Fait qu'on est tout beau de ce côté-là. Tout est beau là. Non, je parle pas Ebola comme la maladie, mais tout est beau dans le sens que tout est prêt. J'ai-tu sauvé en sortant? Oui, j'ai sauvé à l'extérieur, ouais. C'est bon. Tu vas te faire Berserk, parce que tu sais, tu vas te péter. Et là, on rit parce que tout va crever. Ah ouais, tu te fais ça toi. Ah c'est triste. Ah, j'ai des bons spells à cette heure. Hein? Mangeant un Oli d'en face. Bye bye! Et toute crève. Ok, ouais. Hey, Stago a pris re-raise, parfait. On va switcher à... Flood. Ben, mais on pourrait faire apprendre Flare. Quick serait bien, mais... Ouais, on va la faire apprendre Flare à x2.
Les HP de plus seront pas de. Seront pas mauvais non plus. Tout le monde est correct dans les HP sauf Céleste. Céleste sauf faire un coup de petit cœur. Les cures de 1000, tu sais. On va un petit peu plus vite monter cette fois-là vu qu'on est sur quelque chose. Bon ben là on attend. Les autres vont juste nous healer. J'ai hâte de voir que ça va être, sérieusement. C'est un peu dommage, je trouve ça un peu dommage qu'on cancelé l'autre martial artiste. Enfin, j'espérais pogner une nouvelle classe de mêlée. J'ai un de mes amis justement qui joue juste, mais juste le Berserker, genre comme 90% du temps. Fait qu'on a deux armes de mêlée, je pense qu'il aurait aimé ça aussi. Ouais, je joue Berserker pour être un tank. Fait qu'il pourrait être ça avec le SWAT aussi, là. Mais quand même. Mais peut-être que ce serait bon de faire une coupe de combinaison avec le survivaliste pour faire une classe de mêlée viable aussi, là. Ah bye, merci pour les potions pis tout. Tornado pis Gravigor, oh oui. Phoenix, toi, on va mettre sur Phoenix parce que je veux que t'apprennes Arise pis Re-Raise. Parce que Re-Raise c'est fucking awesome. C'est genre, ah oh non, tu viens de tomber, on t'en remet de bout. On va prendre Kuraga aussi. Pis Arise que c'est juste comme Raise mais full HP. Au lieu d'être juste, bon ben je te Raise pis la moitié mort. Je vais même pas marcher dans la salle tranquille. Hein? Il va survivre, pas de problème, Master. C'est pas mal mieux qu'avant. Avant, c'était genre. Je faisais, ben. Il se faisait manger un spell, puis genre, il perdait genre comme 95% de son life. Ah, ça c'est bien. Je pense qu'il faut dispel pour ça. Ouais, dispel. Yes, ça marche. Je vais mettre ce berserk. Oh, Strago va avoir mal là. Je peux survivre. Je survis pas, Basti. C'est pas grave. Pourquoi je casse les cures? C'est Arise qu'il faut que je casse. Bon, ben c'est pas grave, regarde. Berserk, ça va bien. Viens-tu te faire stop sur? Wow! Ok. Allez, calme-toi avec tes flares là, sérieusement. Le triple casse pis les affaires dans la même, j'apprécie pas, non? Ouais, ça va, attaque. Ça ben, on va utiliser tes spells pour healer le monde. Et voilà. Save tes bits. Ça, je pense que c'est l'item qui nous permet de caster, d'avoir. Une pétrification zombie et instant death. Ouais, c'est comme les trois stats que tu veux vraiment pas pogner. Hein. Là, je vais battre le dragon, mais le dragon va se faire ramasser. Là. Ah, c'est bien triste. Pour des spells. Je pense que ça va faire mal. C'est pas le cas. Ah, c'est vrai, j'avais oublié de refaire.
permet de refaire float sur le groupe. Ok, il y en a qui sont pas sur float. Oh shit. Ok, c'est sur lui qui s'est fait faire un réflexe, c'est bon. Edway, la bienvenue. On va laisser leveler avec ça pour qu'il prenne plus de vitesse. On va recasser float. La prochaine. Pourquoi pas? Et voilà. Je vais déséquiper son. Je pense que Dragon Claws leur fait des dégâts de plus. Moi, de Venom Claws à la place. Ça m'a acheté des dégâts pause, puis ça les heal. Ça heal certains ennemis dans la gang. Ouais, ça va, soit Berserk, puis Vargenta. Ah, c'est vrai, il y a un shield, lui. Ah, c'est pas grave, ça fait zéro. Ça heal encore. Ok, j'imagine qu'il y en a qui ont des résistances différentes, mais quand même. Ça, il y en a pris quick, yes. Ça risque d'être fort, ça. C'est genre, bon ben ok, moi je décide que je fais deux actions sur ce tour 7. Vas-y fort, buddy. Vas-y fort. Sais-tu, j'ai quasiment envie de... Ouais. Je vais enlever de Sabin le Genji Glove. Parce que les Venom Claw et les Dragon Claw ont tendance à faire que... un de ses attaques heal, fait que ça vient comme contredire tout. Fait que je vais juste faire ça. Mettre le... Où c'est qui est rendu? Je vais mettre le Black Belt. Avec l'idée que s'il se fait attaquer, ben c'est genre, hey, je te verge dans la face 4 fois. Ça serait ça quasiment aussi efficace. Et au moins, là, il va faire des dégâts au lieu de faire, hey, je te fais des dégâts, je te heal. Je te fais des dégâts, je te heal, tu sais. Tout le temps. Ouh, t'es pas beau de suite, ouais. Est-ce que c'est Zunus tout le monde? Non. Peux-tu caster poisonneux tout le monde? Même pas! Je prends 19 MP. Oh! Valor, c'est sur tout le monde! Oh! Ça, je savais pas, bon. Hein? Pas le même. Tout le monde t'empoisonner, bien sûr. Ça m'aide, tu vas faire des poisonneux à 3 MP chaque. Hein? Au moins là, je fais des dégâts sans healer mes ennemis. Je vois que ça fait valoir. Valoir. Qu'est-ce qu'on va faire comme effet? Holy shit! Ça fait du dégâts. Je vous l'avoue tout de suite, ça fait pas mal de dégâts. Pourquoi ça y en est mort? Qui reste en masse d'HP, moi j'ai pas payé attention. On va se caster à Rise, t'as que ça. Puis float.
La dernière chose que je vais faire, c'est rentrer dans un combat, faire Earthquake, puis faire à chaque face. Genji Shield, que je suis pas mal sûr que lui peut équiper. Que j'espère. Oui. Je suis en train de penser, ça sert pas grand chose d'avoir Black Belt étant donné que. Ils ont pas d'attaque physique. Que si je peux trouver le Gigas Glove, ok. Ça aurait bien, bien compensé ça. Ouais, on a l'avantage du début du combat. Est-ce qu'on a qui a Reflect? Je pense pas. Je suis pas sûr que lui en bas il résiste en feu ou absorbe le feu, mais c'est pas grave. As-tu Ace Dega? Oui, t'as Ace Dega. Ah, wow, tu fais slow gars? Pas grave, je fais Ace Dega. Tout ça d'après. Parfait! Fais Berserk, c'est le bonhomme, genre que. Il a le pouvoir de pouvoir faire du dégât physique. Très bonne idée. Très bonne idée. Fais ça là, une souci, ça me dérange vraiment pas. Puis là, hey, tout le monde! On va se dépêcher un petit peu plus. Ah, oh, c'est triste. Mais non, ça marchera pas. Toi, t'es tellement mort! Eh oui. Toujours bien que les ennemis me donnent la chance de pas avoir besoin de caster Berserk sur Saiyan parce que. Veux pas. Il peut faire du dégât physique aussi. Vous avez des petits dégâts de même, ça m'inquiète pas pantoute. Tornado! Bloqué Imp. Pourquoi? Je comprends pas pourquoi il casse Regen sur le bonhomme qui attaque en physique. C'est un peu weird. Non, ben lui il est décédé. Ah, même pas, c'est vrai qu'il résiste. Eh, c'est pas grave si tu récupères un peu. T'es mort. T'es vraiment mort. Bien joué. Qu'est-ce que le monde level vite? Il a pris Flair déjà. Il connaît plus Gilgamesh. Ok, il est encore sur Gilgamesh. On va y faire apprendre Flood. Ou en fait, toute une groupe d'affaires d'autres que je pourrais y faire apprendre. Oh, Lee, Dispel, Midgar Summer. Ah oui, Midgar Summer, ok. T'es sur Bamut, t'as déjà appris. Flair, yes. Toi, on va te faire apprendre de Léviathan, tu sais. Un de ses premiers skills, c'était comment, genre Aqua Breath. Pourquoi pas y faire apprendre encore des spells d'eau? C'est pas pire au moins, mais bonhomme meurt pas instantanément dès qu'ils se font caster un spell. Hey, y'a dragon! Hey, y'a un combo aussi! Berserk. Je casse Valor parce que Sabin va aller sur un Rampage. Ça a été super efficace, buddy. Hein? Creuve! Yes! Ça a pris Kuraga. Il y a, je pense que c'est Arise aussi. Ouais, Arise. Hey, dragon! Il est
Non, non, viens, viens, viens ici. Viens voir papa. Viens. Non, c'est ça. Ah, tu casses au lit. C'est le fun. Excuse, mais tu vas arrêter de caster, Ok, va chier. Va sérieusement te faire foutre. Caster 3 au lit en ligne, tu vas aller te faire foutre. Ça va fondre, ça. J'attends un peu. Alors... Il va juste faire ça, caster 3 lits à tour de bras tout le temps. Là. Au moins, il casse quelqu'un d'autre, ça va, là. Comment c'était chiant, là. Ouais, ça va bien, pète tout. J'ai pas aimé le premier coup, 1999, après ça, 4000, 4000, 4000. C'était ridicule. Holy Lance, reste deux dragons dans le monde. Faudrait que je check où c'est où est le dernier dragon au bazar. Parce que là, il m'en manquerait un, je pense. Vive Valor et une application extrême de VTK d'en face des amis. Kanigui, je pense que c'est un arme de. Pour lui, ça? Alors, Kazekiri, c'est un arme pour Shadow. Est-ce que ça c'est meilleur? Je vais mettre le Healing Magus Rod sur lui, parce qu'il y a plus de Magic. C'est sûr que ça l'a automatiquement mis, genre que... Il résistait le... Ben, pas il résistait, mais